Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la découverte de Two Point Campus. Two Point Campus, c'est un jeu qui a été développé par les mêmes développeurs que Two Point Hospital. C'est mon tout premier jeu de gestion depuis un moment déjà. J'ai juste un petit peu joué à Timberborn et quand j'étais enfant, j'ai joué à César 3. Mais depuis, je suis un peu à la ramasse sur les jeux de gestion, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti! Et peut-être qu'on peut dire aussi... n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Replay également où il y a tous les replays. Non mais justement je pense que ça sera sur la chaîne Replay en vrai. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à mes deux chaînes YouTube, la chaîne principale et la chaîne Replay. Bye! Voilà. Parfait. Abonnez-vous! Nouvelle partie! Je m'appelle Albert Crank et je suis votre conseiller personnel. Vous n'avez aucune expérience en tant qu'administrateur, mais tous les membres du Fresh Light County College ont hâte de vous voir à l'œuvre. Je ne sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas, mais bon, allez donc à Fresh Light Meadows et lancez votre empire académique. C'est marrant que ça sorte quasi en même temps que l'extension des Sims au lycée. Ça, c'est pas très ratus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en plus, ça a été décalé, donc tu vois... Après là c'est à la fac plutôt. Merci Cocotière pour le deuxième mois. Cocotière, merci beaucoup. L'université de campagne n'a pas de grandes attentes mais un joli canal. C'est l'endroit idéal pour lancer votre carrière. Ah je vais mettre moins fort le son, c'est un peu fort. Même si la musique est cool, ça reste quand même un petit peu fort. A university is not something that one simply opens, like a savings account or a jar of pickles. Ça, c'est pas très raté. Merci Tiny pour le Prime. Academic institution was doubtlessly open. Les sous-titres ? Ah, j'ai passé du coup. Merci Tiny pour le Prime, merci beaucoup. Bon, bienvenue à Fresh Lake Meadows. Où la vie s'écoule lentement et les espoirs ne volent pas bien haut. La campagne de Two Point est l'endroit idéal pour lancer votre carrière, découvrir les cordes du métier. Commettez des erreurs et rentrez dans le feu de l'action avec le sourire. Information, scientographie, admission d'étudiants 10. Alors. Déjà, on va baisser un poil, mais pas trop, parce qu'en vrai... En vrai, je trouve ça pas mal comme ça. Ouais. Sous-titres. Il y a anglais, allemand et mandarin. Mais en langue, il y a français, voilà, ok. Ok. Bienvenue au campus, si vous voulez avoir une usine à génie, vous allez devoir apprendre les bases de gestion d'une campus. Essayez de déplacer la caméra, regardez autour de vous. Zoomer. Incliner, ah bah c'est comme dans les Sims quoi. Ok, ok. Notre campus va proposer une formation en scientographie. Commençons par construire un laboratoire de sciences. Oh, ça va être comme dans Bear and Breakfast, je ne sais pas. Je ne vais pas savoir comment agencer le tout. Je vais péter un plomb. À
Allez, on va faire ça basique, on va respecter un peu le premier schéma. On va laisser des couloirs entre les pièces pour que les gens puissent circuler. J'avoue, ils vont disséquer des rats, ça va être terrible. Taille minimale de la salle non atteinte. Ah! Ah non, mais c'est pas assez large en fait. Attends! C'est pas exactement comme ça que je voulais faire. Peut-être que je pourrais changer après. Alors, ça, ok. Ok. La musique est si chill. Frequently asked questions. No, you can't have an extension. Hop. Donc là, est-ce que je peux modifier ? Modifier. Tu vois, genre, est-ce que je peux... Modifier... Genre, modifier la forme. Jingle radio d'étudiants, groupe de rock amateur. Attends, deux secondes. Genre là c'est plus. Ah voilà. Ok, là c'est moins. Hello, you're sorry. You're listening to Campus Radio. I'm Maggie Watmore, and okay. I didn't realize I was hosting today's show until 5 minutes ago. It's okay. I'm sure we'll be fine. Et la pièce, je peux la déplacer ou pas? Before, but that doesn't bother me at all. The administrator is reminded to stay hydrated. Du coup, je préfère faire ça et ça pour que ça soit aligné. Stay hydrated, bien sûr. Non, non, je veux pas annuler. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le problème. Ah, ok. Juste déplacer toute la pièce, je sais pas si c'est possible. Voilà. Non, en fait, je voulais faire l'inverse. Pour déplacer, sors de l'éditeur, puis clique sur la pièce et sur la petite main. Ok. Merci. Parfait. Alors désolée, je suis un peu perfectionniste, donc c'est possible que je mette vraiment 30 ans à faire quelque chose qui me plaise. Navré d'avance. Voilà, comme ça, ça me plaît. Même mettre une petite étagère. Ok. Et une plante. Juste un petit peu. Un petit peu perfectionniste. Vous savez à quel point mes profs me l'ont dit. Genre, je pense qu'il faut que tu te calmes. Les questions stupides vous donnent l'air stupide, c'est horrible. Charlotte Horn, pédagogue. Embaucher du personnel. Traînarde, se déplace plus lentement que la majorité. Dégoûtante, mauvaise hygiène personnelle. Confort de toilette diminue plus lentement que la majorité. Mais elle a une vessie de fer. Et elle peut couper ses cheveux en quatre. Ok, et sinon Clyde Carpet. Je préfère Clyde, je crois.
Juste, il laisse tomber ses déchets. Et on l'a trouvé dans le canapé, mais sinon... Après, on le paye plus cher, mais il est quand même mieux que Charlotte, hein, on est d'accord. Charlotte, elle est dégoûtante et elle est traînarde, super. Bon, bien. That's right. The groundskeeper's shed appears to have moved some 2 to 3 meters overnight. Of course. Attends, je vais quand même légèrement. C'est le DJ la radio du coup vous pensez? Ou haut-parleur? Haut-parleur. The sudden move has come as somewhat of a shock. Bien entendu, il s'agit là d'un objet... Ah non, mais ça... Ok, une fois pré-sélectionné, commencez la nouvelle année. Ah, c'est tout? J'ai une preuve que j'ai eue à la fac qui respecte cette description. Quelle horreur. C'est pas très gratuit. Merci Killburns pour le 47e mois. Wow. Incroyable Killburns depuis le temps. Désolé. Les étudiants arrivent sur le campus. Nerveux? Moi? Oui. Alors, ok, donc je pense que je vais devoir mettre ma cam ici. Je vais mettre les lumières en bleu parce que pourquoi pas. Et je vais faire une petite pause pipi. Donc je vais mettre pause. Alors, dans les Sims, pause c'est P. Et pas là, visiblement. Mais ok, je verrai ce que c'est. Je fais une petite pause pipi, j'arrive tout de suite et on commence cette première journée. A tout de suite. Putain, la musique est trop bien en vrai. Ok. C'est parti. Bon ouais, si quelqu'un a un raccourci pour... Ah, c'est la barre d'espace. Ok, tout va bien. Nice. Alors, donc là, c'est mon calendrier en bas. Les bulles, appétit. La fumée sans science. Je pense que... On va juste... Je pense que c'est le DJ, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Même pas le temps de faire tremper dans la piscine. J'avoue, je me suis grouillée. En plus, j'ai même eu le temps d'ouvrir la machine et tout. Regardez, les étudiants assistent à leur tout premier cours. Allez savoir ce qu'il va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? C'est qui ce emo? Wolfric 2001. Sentiment bien. Aura obscure. Priorité au devoir. Excellente hygiène personnelle. Aura obscure, de quoi faire le bonheur de certains. Le niveau universitaire des étudiants augmente au fur et à mesure qu'ils gagnent des points d'expérience. Timide mais vide ordure. Laisse tomber ses déchets. Petite vessie. Ah mais y a pas de WC là. Bonheur des étudiants à 46%. Bénéfice mensuel. On va faire des chiottes du coup. J'ai des étudiants aussi ici. Air frais. Ah oui, le ticket pour la piscine, c'est non remboursable. Vessie de fer. C'est marrant la DA de ce jeu en vrai. Terminer un cours de scientographie. Donc je peux accélérer le temps aussi. Je peux rename les personnes si tu veux. Ah ouais? Willow. Ah ouais? Genre lui là, je peux l'appeler Dark Sasuke. Ah ouais, trop bien. Ils ont réussi, les étudiants ont terminé leur premier cours. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde. On dirait que certains d'entre eux ont été distraits par un motif ou un autre. Un étudiant dont tous les besoins sont assouvis sera plus heureux, moins distrait, et il pourra se concentrer sur ses études avec enthousiasme et enjouement. Laissez-moi douter quand même, non ? Engouement, non. Je pense que enjouement doit être un vrai mot.
qui est un mot qui veut dire genre avec plein de joie, non? Disposition à la bonne humeur, gaieté aimable et souriante. Voilà, donc si ça existe, c'est bon. Les besoins d'un étudiant comme la soif ou ses besoins d'hygiène affectent son bonheur général. Les étudiants heureux ont de meilleurs résultats et gagnent plus d'XP. Observez nos étudiants et découvrez ce qu'on peut faire pour améliorer le campus. On a des chiottes. La clé de l'hospitalité sur le campus est de se souvenir des 3 R. Les étudiants ont besoin d'un endroit où se reposer, se relaxer et relâcher la pression. Bon, l'idée est plus ou moins la même, mais ça fait plus professionnel. Construisez une résidence universitaire et des toilettes pour veiller au confort de tous. Ah d'accord, lui il est fatigué. Ah non, c'est elle. Elle est fatiguée et sous pression. La pauvre. Moi je suis chaude contre des toilettes, hein. Mettre pause. J'ai tellement peur. Sur Dark Sasuke, il y a marqué « Refuse le bonheur ». J'avais pas vu. J'avoue... J'ai trop peur, en fait. J'ai trop peur de faire des trucs et que ça soit genre... C'est genre, je sais pas... Comment je choisis la disposition Comment, quoi? Est-ce que mes couloirs peuvent faire un de large? Oui. Les toilettes en or! Sort de prix. Solution hydroalcoolique. Sèche-main. Ça, c'est juste une porte? Ok. Ok. C'est ça, en fait. T'as tellement envie que la disposition soit optique que t'es en mode méga stress. Oh, je voulais faire rentrer les 3. Voilà. C'est quoi le petit sac à main? Une plante dans les chiottes! Grande fenêtre. Je peux pas déplacer celle déjà... Ah, je peux pas déplacer celle déjà existante? Existante, pardon. Parce qu'elle est un peu au bord, là, quand même. C'est un peu stressant. Ah non, elle a disparu. Ok. Voilà. Très bien. Les 3 lavabos côte à côte, pas pratique pour sécher les mains. Écoute, ils feront la queue et puis c'est bon, comme tout le monde. Je rêve. Par contre, les toilettes dorées, elles vont pas du tout avec le décor. Donc je vais faire ça. Voilà. On gagne un peu d'espace comme ça. Ok. Ah, le sac avec le dollar, ça veut dire que l'objet sera vendu parce qu'il est inaccessible. D'accord. Oh, c'est bien fait. Les fenêtres à l'intérieur des chiottes, elles sont floutées, genre. Un peu un espace perdu là, mais bon. Effet aucun. Non mais c'est bon, du coup, c'est juste décoratif, ça. Donc ça va. Déjà, ils ont des toilettes en or, ils vont pas se plaindre. Qui crise là?
Construisez une résidence universitaire. Attends. Au rez-de-chaussée ? Frequently asked questions. I believe that smell is you. Embaucher du personnel, éléments, gestion de formation. En vrai, à deux doigts de construire le la résidence universitaire ici, quoi. Genre là. Ah mais attends. C'est horrible de prendre des décisions. À côté des chiottes, ils méritent que ça. C'est bizarre que ce soit dans la fac, ouais. Ah, ils utilisent déjà mes chiottes. Je suis tellement fière d'eux. Mais elle est trop bien la musique en vrai. J'ai eu la même réaction, j'étais en full panique en voyant la résidence dans la fac. Bah c'est bizarre quand même. Ok. Students are reminded that I'm not your mom. Nous rappelons aux étudiants que je ne suis pas leur mère. Lee Marron. Veuillez au bonheur des étudiants avec au moins un lit tous les 5 étudiants. C'est peut-être un peu grand. Il y a une entrée du côté des toilettes, ça fait étrange, je trouve. Une entrée. Comment ça, une entrée? Un lit pour 5 et vous osez vous plaindre du crous? Attends. Skills are not transferable. Je vais faire ça. Il y a une salle d'eau, donc je pense que je vais mettre la salle d'eau ici. Je vais faire ça. Non, non. Voilà. Faut poser des cloisons. Attends, j'appelle un pro du béton. Le méga dortoir avec zéro intimité. Non, mais c'est pour ça que je veux changer, du coup. Là, je ferai la salle d'eau, je pense. Et là, je pense que je peux faire ça. Ok. Voilà, et... sont un peu entassés quand même. Ouais. L'entrée dont je parlais, c'est plus au niveau de la salle de sciences. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait bizarre de voir une entrée ici? Ah non, là! Oui, c'est vrai que ça fait étrange. J'avoue, je vais corriger ça. Une armoire pour 6. Ne mène nulle part. J'arrête pas de relancer le jeu sans faire exprès. Bon ben... bonne nuit! Voilà. C'est parfait. Prenez-en de la graine, le Crous, voilà! Voilà comment on accueille des étudiants, en fait. C'est trop laid.
Ah oui, j'avoue, on peut mettre des bureaux aussi. Voilà. I love Two Point. Ça, c'est pour... On leur autorise un petit peu de décoration quand même dans la chambre. On peut même leur mettre une petite plante. Je suis trop sympa comme meuf. Voilà. C'est chiant en fait. Les grandes fenêtres, ça me plaît pas tant que ça. Ok, nickel. Je suis un peu frustrée parce que dans les Sims, c'est pas comme ça hein, quand même. Ah, mais... Ah, d'accord. Je pouvais changer la couleur. Ah, comme ça, c'était bien. Je peux même mettre des lits LGBT. Ok. Comme ça, je les trouve bien. Au moins, ils donnent un peu de relief à la pièce parce qu'ils sont blancs et noirs. J'avais pas l'impression que c'était comme ça. Ah oui, c'était comme ça. Ok. Mais même en fait, l'armoire aussi, il y avait des couleurs. Ah, c'est mieux quand même. C'est déjà plus esthétique. Ok. C'est mal la taille du dortoir. Tu penses, vous pensez que c'est trop grand? Mais même la plante aussi. Je peux changer le pot et tout. Ok, parfait. Et du coup... Quoi? Bah, elles sont très bien ces fenêtres. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Si plus tard tu as plus d'étudiants, c'est bien. Pourquoi j'en ai pas autant que ça? Ah oui, j'en ai un peu. Oui. Oui. Ils feront les 3-8 pour les devoirs. Écoutez, ça peut vite devenir un cauchemar si elle est mixte. Salle d'eau. And start an essay, ah. And I may be there all night, but I'll be back tomorrow morning for another show. Hopefully, I don't fall asleep in the archive section again. Wish me luck. Il faudrait qu'on fasse deux salles d'eau en fait. Lovely. Je réfléchis. Bah, vous voyez, mes étudiants, ils vont se mettre au lit tranquille. Sont bien. Bon, la salle d'eau, j'aimerais en faire... Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est stressé? On dirait la vache dans le film La ferme se rebelle. Enfin, l'espèce de vache... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas comme ça que ça marche, mais... Vous avez faim, c'est ça? Ah. Placer un distributeur. Ah oui, oui, c'est peut-être ça, oui. Alors. Un distributeur. Distributeur de Cheesy Gummies. Et un distributeur de Burp. Ok.
la technique du serpent. Mais c'est, par contre, c'est très bien fait. Si ça ne tenait qu'aux étudiants, on vivrait au milieu de notre propre crasse. Heureusement, ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Recruter un concierge et placer une poubelle pour veiller à la propreté. Alors, le concierge, on a le choix entre Neville Light et ok, Tobias, Amy et Branwen. Alors, Branwen a une mauvaise hygiène personnelle. Et il se déplace vite. Neville, confort des toilettes diminue plus rapidement que la majorité. Et il a facilement faim. Mais il se déplace vite. Et il est fort en maintenance. Maintenance, pensée positive, mauvaise hygiène personnelle. Mais pourquoi personne ne se lave dans ce jeu ? Gouffre insondable. A facilement faim. Confort des toilettes, excellente hygiène personnelle, commence la journée par une canette de burp. En vrai, j'ai envie de faire Neville parce qu'il est fort en maintenance, même s'il a une petite vessie et qu'il a faim. Tiens, Neville, au boulot. On va mettre une poubelle. Est-ce qu'on met des poubelles dans chaque pièce ? Veuillez s'il vous plaît jeter vos déchets dans la poubelle. Pourquoi il court, Dark Sasuke ? T'es en retard à tes cours ? Petite faim et fatiguée. Aura obscure. C'est pour les économies d'eau, alerte, sécheresse, tout ça des jeunes à la conscience écologique, c'est vrai. Fatiguée, petite faim, vie d'ordure. Alf Panther. Ok. Bah, franchement, j'ai l'impression que... Quelle heure il est, là ? Dans le jeu ? Parce que tout le monde est au lit alors qu'il fait jour, je comprends pas. Oui, je l'ai appelé Dark Sasuke, du coup, je l'ai rename. Leur caractère ne peut pas être défini par une idée centrale, un peu de ci, un peu de ça, un soupçon de ceci, on n'en sait trop rien pour l'instant. Il est ami avec Kensington, Truc Bidule et Alf Panther. D'accord. Mais il est cool ce jeu en vrai. Oh ! Mes chiottes en or ! Concierge ! Concierge, s'il vous plaît, mes chiottes en or ne fonctionnent plus ! Plus vite que ça ! Neville ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah fallait juste tirer la chasse en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais la maintenance ? Oh, c'est bien Neville. Il est vraiment bien. Salut au nez. Oh, attendez, faut juste que j'envoie un message. Mets la main dedans. Bien joué, ces étudiants ont déjà l'air plus intelligents, mieux ils s'en sortent, plus vous aurez de fonds pour le campus. C'est qui le génie ? Vous recevrez des frais universitaires pour les étudiants inscrits aux formations de campus, ainsi qu'un bonus pour l'expérience gagnée. Répondre aux besoins des étudiants n'est qu'un des multiples moyens dont nous disposons, pour améliorer nos notes. Il leur faut ensuite un endroit où étudier. Heureusement, les étudiants ont reçu leur premier devoir. Terminer des devoirs est un bon moyen pour les étudiants d'obtenir de l'XP loin des salles de cours. Néanmoins, le besoin en équipement neuf est flagrant. Consultez votre boîte de réception pour voir ce qu'il faut. Bibliothèque. Ok. Oh, c'est vertigineux. Une bibliothèque. Bah genre là, ça serait... Bah là, j'imagine plus un réfectoire, je pense. J'imagine qu'il y en aura un plus tard. En fait, eux, ils laissent des couloirs entre les pièces. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a une entrée ici et...
Et du coup, c'est chiant à cause de ça, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Ça marche plus ? I am Sir Nigel Bickleworth, and you may not know it, you've just made a wonderful decision. Okay. The finest radio show in town, coming right now. Salut, King Neuf. Announcement. Hitting the books doesn't mean what you think it means. Genre, est-ce qu'on peut réduire? Comme ça. On dirait... Non, il faut que ça fasse à tout prix 5 par... je crois que c'est la taille minimum pour ça. 5 par 5. Alors, bibliothèque. Ouah, c'est vertigineux tout ce qu'il faut faire. Trois par 3 minimum. Comme ça, ça peut, ça semble être pas mal. Ok, donc là, ça c'est un... La réception de la bibliothèque. Ensuite, il y a des bibliothèques. Moi, je voulais les coller, mais dommage, il n'y a pas de bébé move object. Et des bureaux. Ok. Ni de overload. Voilà. Bon, je vais déplacer ça là et je vais enlever ça. Hop. Et du coup ici. If you hear this, please drink some water. Thank you. Une petite plante. Une petite poubelle. Et là, je pense qu'on peut mettre des grandes fenêtres. Quoique. Ouais, ça va en vrai, ça fait un peu spacieux. Le truc mural, c'est pas du savon, c'est du gel hydroalcoolique qui a marqué. Tableau d'affichage de bibliothèque. Hop. Du coup, j'imagine que maintenant, il faut que j'embauche une bibliothécaire. Ou un bibliothécaire. Scientographe, assistant. J'essaye de lire. Ah oui, voilà, c'est ça. Assistant. Elle est super, cette bibliothèque. Ouais, franchement, elle est bien. C'est le strict minimum, quoi, mais elle est bien. Alors, assistant Clive, Lola ou Johanna. Alors, déjà, Loana... Lola et Johanna font un dab, ce qui est pas mal. Johanna a une mauvaise hygiène personnelle. Lola a une excellente hygiène personnelle, mais elle se pince encore pour y croire. Elle est parfaite, elle, non? Après, elle est chère aussi, c'est pour ça. A une impression de déjà-vu. Confort des toilettes diminue plus lentement que la majorité. Se déplace plus vite que la majorité. Clive Brickle. En vrai, je veux Lola canapé, elle est trop bien. Bon courage pour le travail. Terminer un devoir dans la salle de bibliothèque. Je pense que ça va se faire tout seul. J'aimerais bien faire une petite salle d'eau ici. Mais du coup, je sais pas trop comment organiser ma salle d'eau. Il a dit que si c'était mixte, c'était chiant. C'est vrai ou c'était juste... il faut vraiment que je fasse genre des salles de... deux salles de bain du coup?
Que sinon, j'en aurais bien fait une en toute longueur, en longueur comme ça, quoi. Ouais, c'est pas évident en vrai. Là, je perds un peu d'espace, quoi. Moi, j'ai aucun souci de mixte ou pas. Ah, ok. Bon, bah, c'était peut-être juste pour le texte du jeu. J'ai une salle d'eau. Ça n'a pas l'air de gêner. Vous voulez une poubelle dans votre chambre, les enfants ? Tu dormiras à côté de la poubelle, toi. Ah, je peux même pas la mettre là. Ah, mais il y a un porte-serviette aussi. Trop bien. Waouh! Bah après, ce qui est dommage, c'est que du coup, le fait qu'elle soit toute en longueur, ça m'empêche de mettre des douches partout où j'aurais aimé le faire, quoi. Mais bon, on trouvera une meilleure configuration d'ici là, c'est notre première école pour l'instant. Oh bien. Pour ceux à l'hygiène discutable... C'est dégueulasse, il y a des déchets là, il y a une poubelle juste ici. Merci. Vous en sortez ? Henrietta s'ennuie. It's time for spill the tea. C'est l'heure du grand déballage. It's time for spill the tea. Oui, c'est mon tout premier jeu Two Point, exactement. C'est la première fois que je joue à un Two Point, du coup je découvre un petit peu quoi. Mais d'ailleurs, peut-être que ce qui est le mieux ici, c'est d'enlever la fenêtre et de remettre des chiottes en or. Hein. Écoutez, il y aura plus de chiottes et puis voilà. Bienvenue dans votre boîte de réception. Ah! Ah, ça va! Bénéfice mensuel 8000! On est riche! De simples crétins à la ramasse, vos étudiants sont devenus de génies de second rang! Récapitulons votre prouesse. Vos prouesses, pardon. Éduquer, soigner, agrandir. Améliorer votre personnel et vos installations pour améliorer les notes de vos étudiants. Veiller au bonheur et confort des étudiants pour augmenter leur vitesse d'apprentissage. Et gagner plus de recettes en agrandissant votre campus et en incorporant plus d'étudiants. Pas besoin d'aérer après tout. Ouais, il nous reste une fenêtre ici, regardez, ça suffit. Ça suffit pour aérer. Ça va pas, Dark Sasuke ? Il s'ennuie. Vous faites quoi ? À ton avis, tu vas stream jusqu'à quelle heure à peu près ? Pour encore une heure, je pense. Félicitations, vous avez gagné des kudosh pour avoir terminé des objets. Dépensez vos kudosh pour déverrouiller de nouveaux éléments, mais aussi des tenues du personnel et des options d'aménagement d'intérieur. Donc là... Table sociale. Je peux même décorer mon extérieur. Bon, bien mieux que de rester debout. Je peux mettre des bancs, genre... pour qu'ils puissent patienter dehors. Ah, mais il y a toujours ce problème de l'entrée est en face, là. C'est chiant. On t'a vu lâcher une pêche, Dark Sasuke, et ne pas te laver les mains après. Il s'est pas lavé les mains après ? J'ai pété un câble. Voilà, on va faire comme ça, ça sera moins bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Débloquer un élément avec des kudosh.
Ouvrez le menu des éléments et sélectionnez un élément verrouillé, signalé à l'aide du symbole. Genre ça? Ah oui. Peut-être que je réfléchisse ce que je dois faire du coup. Là j'en ai 230. Je peux déverrouiller une trompette de l'amour. Développe des relations amoureuses. Oh. Des fontaines à eau pour s'hydrater. Sinon j'ai des tournesols. Une coiffeuse de clown. J'ai tapis. Ça c'est quoi, siège auto? Des arcades. Non mais faudrait pas qu'ils s'amusent trop non plus hein. Vas-y, je vais prendre la fontaine à eau. Voilà. Mur de séparation. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, qui a besoin de séparation? Plante tombante. Je veux cette magnifique plante tombante. Ne penses-tu pas que la cam serait mieux ailleurs car elle cache une partie du menu? Alors, éventuellement, ici. Dans ce genre de jeu, il y a beaucoup d'infos, donc c'est difficile de savoir placer sa cam. Éventuellement, ici. Cheesy gubbins are back. Hop. Where did they go? Nowhere. Hydratez-vous. Waouh, regardez, il y a une lampe corbeau et tout, il y a des trucs de Dark Sasuke. Bon là, j'espère que ça va pas rencontrer d'autres problèmes avec la camis. Requête d'éléments de relation. Félix et Dave. Je ne sais pas trop, mais je crois que j'éprouve des sentiments pour quelqu'un. Si vous nous en achetez, je pourrais en avoir le cœur net. Le banc de l'amour. Vous êtes sérieux? Mais JPEP? Ils veulent un banc de l'amour? Mais ouais, mais l'école, c'est pas fait pour se pécho, donc comment on fait? Voilà. Tenez vos bancs de l'amour. Construire une salle. J'ai eu le lit, moi, pas le banc. Ah bon? T'as eu le lit et pas le banc? Ah donc tout de suite, c'est passé à la vitesse supérieure? Donc j'ai fait une salle juste avec le lit de l'amour. Ok. J'ai bien essayé de me la couler douce dans chaque salle du campus, mais il n'y a rien à faire. Je crois que les étudiants ont besoin d'une salle spécifique pour traîner ou se détendre. Ok. Un foyer. Frequently asked questions. No, your chicken should not be pink. Un foyer. L'amour, c'est à l'entrée, pas de ça dans l'école. Est-ce qu'il va y avoir un réfectoire ou pas? Si c'est le cas, je pense que je l'installe ici. Du coup, le foyer, faudrait le mettre autre part, quoi. Genre là, je pense. On peut pas peindre les murs de chaque salle un peu? Peut-être, peut-être. Peut-être là. Hein. Oh, c'est horrible comme j'ai trop peur de tout poser là. Students are reminded to be in two places at once. Bon alors. Peut-être qu'on va s'aligner sur la bibliothèque. Dark Sasuke, tu viens de passer à travers le mur. Votre personnel est en pause mais n'a nulle part où se détendre. Songez à construire une salle de repos. Bah ils peuvent se détendre à l'extérieur, regardez, il fait un temps magnifique. Sérieux? Peut-être un peu grand. Voilà. Bon, c'est bien, vous êtes détendu maintenant. Regardez. Des petites tables.
Que demande le peuple ? Un petit canapé. Staff are reminded that dogs don't eat homework. Là, ce sera plus approprié. Oh, elle me saoule cette porte. Voilà. Regardez-moi cette salle de détente de luxe. Je peux même choisir la couleur. Ok. En blanc. En vert tendre, ouais. Comme ça, c'est pas mal. Merde. Comme ça. On adore. On adore. C'est magnifique. On adore le frigo en rouge, comme ça, en rose. Ouais. Non mais regardez, j'aurais rêvé d'avoir une salle de pause comme ça. Je suis pas sûre de moi en fait. Je mets un distributeur comme ça, il dépense des sous dedans. Regardez, que demande le peuple ? Ok. Un tapis de disque. Waouh, des radiocassettes. C'est incroyable. Je pense que j'aurais bien aimé que ça fasse l'angle. Comme ça. Là, s'il y a une... Non, une plante qui fait un, ça n'existe pas. Une lampe. Ah voilà. On adore. Ok, ok. Excuse-moi. Non, c'est pour la grosse stuff. If you're so important, why are you doing all that work? Rule smart. Voilà. Le jeu te plaît, il m'intéresse pas mal, mais sur Switch, j'ai des doutes. Alors là, je suis sur PC, donc pour la Switch, je saurais pas te dire. Par contre, pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt à fond, là. Je suis vraiment cool. Enfin, je suis vraiment fan, là. J'aime trop, c'est trop bien. Je passe un trop bon moment et du coup, je regarde très peu le chat en plus, parce que je suis vraiment en mode... Il me faut plus de construction. Salut Luxama. Attends, Dark Sasuke, deux secondes. Voilà. Ni une ni deux, Dark Sasuke s'empare d'une fléchette. J'avoue que... J'ai plus de quoi débloquer du baby-foot. Là, franchement, c'est comme des rois. Hein. Cette salle, elle est incroyable. Fléchette au-dessus du canapé pour encore plus de fun. Il me fait toujours peur de passer devant des trucs de fléchette en plus. Salut, Paume. Voilà, c'est magnifique. Bon, par contre, qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Ils ont pas cours? Faculté et installation. Construisez une salle de repos. Eh ben, c'est pas ça? Ah non, là, c'est le foyer étudiant, pardon. Bon, la salle de repos, ce sera à la côté des chiottes. Hein. On peut pas tout faire. End of year is approaching. It's too late to start trying.
Ouais, elle est trop fancy. Elle fait très 70s. Bravo la considération pour le personnel. Écoute, on fait avec ce qu'on a, d'accord? Mais on s'en fout que la plante, elle soit bloquée, c'est pas un problème. Ils s'inventent des problèmes dans ce jeu. Agatha Sphere and the Orb Foundation are targeting the county's colleges in okay. an attempt to appeal to a younger demographic. Those voilà. happy loons must be subdued at all. Elle est même plutôt grande cette salle de repos, hein. Il y a besoin d'espace pour que le concierge arrose les plantes, c'est pour ça. Ah, d'accord. Moi, attends Ben, parce que je te vois plus maintenant là dans le chat. Voilà. Si j'ai l'hydroalcoolique, ouais. Plus d'hygiène. Le tableau sur la fenêtre, c'est un concept. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu. Voilà. Petite table chill. Elle est trop grande, cette salle. On va réduire. On va réduire la taille. Quoique, ça va, en vrai. Oui, c'est trop bien! Je kiffe. Oh, il est trop bien, ton pseudo, ma poulette. Ouais, je sais pas. Vous pensez que c'est trop grand? Faut pas que je touche ce jeu, sinon adieu ma vie! Adios! Peut-être que tu changes le titre. Ah merde! Bah non, c'est bon. Bienvenue à l'Académie d'Eratus. Pourquoi je devrais changer le titre? Mais oui, la musique est trop bien, je kiffe. Peut-être un peu fort, hein, encore. Félicitations, vous avez décroché votre année universitaire. Voyons les prix de fin d'année pour fêter ça. Non, je veux pas annuler les modifications, mais j'ai pas trop le choix. Diplômé. Zéro. Ah. Continuation, 10. Ah bah c'est bon, ça va, ils passent tous en... ils passent tous en année. Ok, super. Regardez comme ils étaient super pertinents. Taux de réussite, 100%. Bravo! Ouais, la salle de repos, elle est un peu grande en vrai. À cause de la porte. Je la place là. Non mais attends, il y a largement assez de place. C'est largement assez, je suis désolée. Voilà. Très bien. And now for the segment we call Agony Answers. C'est un couloir. Merde, ça rentre pas. On a converti ce placard en salle d'épreuve.
Attends, c'est compliqué. J'arrive pas à tout faire rentrer. Même pas une fenêtre. Oh. Bon, d'accord, c'est bon. On rajoute. C'est bon, d'accord. D'accord. C'est vraiment parce que je suis sympa, hein, comme meuf. Hein, parce que, bon... Voilà. Y'a pas une machine à café? Pas mal comme ça. Pas besoin des deux machines. Peut-être que si. Ah, c'est dur sans le bébé move object. Voilà. Et je pense qu'on va faire l'inverse. Voilà. Parfait. Appuie sur contrôle en plaçant tes objets. Ah ouais. Mais j'ai pas l'impression que je puisse les placer quand même où je veux. Ouais, d'accord, je suis quand même plus libre de mes mouvements en mettant contrôle, en effet, merci. Bon, voilà. Nous devrions proposer plus de formations et lancer une formation en normalité individuelle. Vous devriez songer à embaucher des concierges. Oh, et hein? Bon. Il s'appelle vraiment Hermann Gogol, celui-là? Vitesse de déplacement aérodynamique. Il a travaillé dans un hôpital avant. Confort des toilettes diminue plus rapidement que la majorité et c'est un goinfre. Et lui, bon, je vais prendre lui là, Hermann Gogol, il est parfait. Tiens, vas-y Hermann. Gérer les formations. Normalité virtuelle. Commencer. Confirmer. Il a travaillé pour Two Point Hospital, il a dû en voir des choses. Un autre groupe d'étudiants va bientôt se joindre à nous pour la prochaine année universitaire. Il est important de grandir au rythme de notre corps étudiant. Achetez un nouveau terrain pour votre deuxième année sur le campus. Ah bon? Bah, on était pas mal pourtant niveau place. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le truc? Confort thermique, capacité 9. Ça, ah, ils sont au max, c'est ça? Merci Lisa pour le 18e mois. Requête d'éléments de relation. J'étais incapable de comprendre pourquoi j'éprouvais autant de nervosité à ses côtés. Maintenant, je comprends. Un jardin de roses. Ah ouais, mais j'ai pas assez de kudosh, Willow, je suis désolée. Oh, elle est amoureuse de Dark Sasuke. Willow. J'ai vu qu'il y avait des trucs extérieurs. Regardez. How cute. Je voulais faire une symétrie, mais... Voilà. Faudrait que je refasse les motifs au sol quand même. C'est vrai que ce truc qui sort de terre, on dirait un ver de terre, j'ai pas encore eu l'occasion de zoomer dessus. Un petit pop.
Waouh. Ah, mais elles sont énormes ces fleurs. Ok, j'ai cru que ça ferait beau, mais je me ravise. Il me fait trop envie ce jeu. Il est dispo sur le Game Pass, hein, si jamais. Peut-être que je peux... Les dessins au sol. Gestion du campus, non? Frequently asked questions. Yes, we are testing you. Salut Sunny Daisy. Il y a des casiers. Trop bien. Ah, il y a des couleurs, ok. Tac. Bon, en rouge, c'est pas mal. Quand tu auras une trentaine de kudos, je conseille, prends le faux mur, ça aide beaucoup à aménager. Ok, merci, c'est gentil. Salut Lina. Par contre, juste, quelqu'un sait comment on fait pour... faire de la terre à un autre endroit? Bon alors... le prérequis du campus, amphithéâtre, il m'en faudra deux. Laboratoire de réalité virtuelle, pédagogue en normalité virtuelle. Ok. En fait, peut-être qu'il fallait que je fasse des pièces beaucoup plus grandes que ça et que juste je me suis très restreinte en taille alors qu'en fait c'était ok. Je sais pas. Parce que là, c'est vrai que c'est très grand parce que je voulais garder de l'espace, mais. Il faut déjà que j'atteigne un terrain. Je pouvais peut-être faire plus grand que ça, quoi. Ah, il est là, le vert. Manuel, collectionneur de vers lisants, capturer un vers lisant. Ah, oh, je l'ai capturé. Bon alors, ça c'est mort, mais du coup, acheter un terrain. Gérer les formations, normalité virtuelle, scientographe. Ajouter une nouvelle formation. Changement d'activité la prochaine année universitaire. Je sais pas sur Switch ce que ça donne. Est-ce qu'il y a Two Point Hospital sur Switch ou pas? Parce que ça devrait marcher comme Two Point Hospital s'il y a Two Point Hospital. Attendez, alors sélectionnez un terrain, acheter un terrain. Laboratoire de réalité virtuelle, pédagogue en normalité virtuelle. Un terrain. Acheter plus de profs. Ça te donne envie de tester Two Point Hospital plus tard? Bah là, j'avoue que ça me donne juste trop envie de... Ça me donne juste trop envie de faire... comment dire? De jouer à Two Point Campus, quoi. Plus qu'à Two Point Hospital, mais pourquoi pas? Oui, peut-être un de ces quatre. Attendez, parce que les terrains, j'y étais tout à l'heure, mais je ne sais plus maintenant. Et là, pourquoi il y a ce signe? Ça veut dire quoi? Ah oui, le terrain, ok. Nice. C'est hyper similaire ces deux jeux, j'arrive pas à visualiser les grands changements entre les deux. Ouais, bah il y en a un, c'est un hosto, et ça, c'est vrai que ça doit être similaire en plein de points, je pense. Hein. Par contre, ça là, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est la capacité. Fermer la salle. Ah, je peux faire des modèles de salles, je peux copier des salles aussi. La pièce est surchargée. Ok, alors attends. Non, pourquoi je vendrais? Je veux juste élargir, en fait, c'est tout. Je veux pas forcément vendre.
Ah oui, mais d'accord, je vais devoir le déplacer, c'est insupportable. Ok. Voilà. Let's talk about the news. The news is like pas mieux. Or constellations, or when you find a singular glove on a fence post in the park, you can't look at it straight on. You gotta read between the lines.